بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية ابتداء من الصفر فرع القراءة La lecture. Leçon ch. الصوت شين. Trois graphèmes pour représenter le phonème ch. C, H, S, H, S, C et H. Alors on peut écrire le phonème CH avec les deux lettres CH, SH ou bien avec les trois lettres S, C et H. Avec les deux lettres SH en tête du mot d'origine étrangère. Quelques exemples. Un short, un shampoing. إذن باستعمال الحرفين SH في أول الكلمة en tête du mot d'origine من أصل étrangère أجنبي. أي الكلمات الداخلة على اللغة الفرنسية وأغلبها تكون كلمات إنجليزية. Quelques exemples, bad al-amtila, un short, un shampoing. Ou bien en utilisant les trois lettres S, C et H en tête du mot d'origine étrangère aussi. Quelques exemples, schéma, schiste. Ou bistimal al-ahruf al-talata, S, C et H en tête du mot. على رأس الكلمة d'origine étrangère من أصل أجنبي quelques exemples بعد الأمثلة شيما et شيست. Alors dans la langue française la plupart du mot dans le son CH s'écrivent avec la lettre CH. إذن أغلبية الكلمات التي تحتوي على الصوت ش تكتب باستعمال الحرفين CH. CHA شا شامو شا شامو CHAU شو شوفاج شوفاج شامو نقصد به الجمل شوفاج نقصد به المثخن. CHUI شوي شوينغوم شوي شوينغوم. CHU شو باراشوت باراشوت. دان شوينغوم هي العلكة باراشوت هي المظلة النزول. CHAU chaud. CHAU chaud. Artichaut. Artichaut. CHO chaud. CHO chaud. Chocolat. Chocolat. يكون هنا الصوت مفتوح اي الفم يبقى مفتوح بينما CHOU chou. Choux, les choux, et dans هنا يكون الصوت مغلق اي ان الشفتين تغلق في نهاية الكلمة. CHI 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 machine machine. CHY chi chim chim. CHE 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 cheveux char cheveux cheminée cheminée médrana. Je dois lire CH ou K. Je dois lire CH ou K. إذن هل أقرأ صوت CH أو صوت K؟ CH ou K؟ Leçon ch.
Le son « che » est prononcé « che » dans la plupart du mot français tel que « charade »,« écharpe », »,« avalanche », »,« chaloupe », »,« chien ». إذن الصوت ش ينطق مع أغلبية الكلمات la plupart des mots français الفرنسيه tels que charade, écharpe, avalanche, chaloupe et chien. Il est parfois prononcé K dans les mots dont la plupart sont d'origine grecque tels que chorégraphie, chromée, chronologie, corée, orchidée, orchestre. إذا هناك بعض الكلمات التي تكتب بالحرفين CH ولكن تنطق بالصوت K هي من أصول يونانية d'origine grecque مثل chorégraphie, chromée, chronologie, corée, orchidée et orchestre. الأشهر هي chronologie et orchestre. إذن أوركسترية مجموعة موسيقية الأوركسترا نقول حتى باللغة العربية. On passe maintenant à des entraînements. إذن بعد التمارين في القراءة dans la lecture j'entends ch, je vois ch. Niche, niche نقصد بها منزل الذي يعيش فيه الكلب. Niche. Je m'entraîne à lire des mots. 1. Un chat, un char, une chatte, du charme. إذن le charme هو الجاذبية. إذن on dit tu es char, tu as du charme. أي أن لديك جمال نقصد به يجذب أو ما نقول عنه الكاريزما. Une vache, bakara, le cheval, al-hissan, la chèvre, al-maïs, mon chéri, aziz. 2. La cheminée, al-midrana, un parachute, medallat al-hobot, une tache, buqa, une fiche, mudakira, il chuchote, et dans al-kalam, bisaut khafet, naqul, il chuchote, une chipie, il marche, yamchi, un chou. إذن هو نوع من الخضروات سبق لنا وأن عرفناه في الدرس. La troisième série, la douche, الحمام, la bouche, الفم, une mouche, دبابة, une louche, هي ملعقة الكبيرة التي نستعملها لأخذ الطعام من الطناجر. Une touche, لمسة, un marché, سوق, elle a touché, لمسة, ronchant. 4. Une chaîne, un chêne, pardon, une bûche, une ruche, une poche, une pioche, une pêche, il se fâche, il mâche. Je lis des phrases. Alors maintenant, on passe à lire des phrases. La première phrase, le cheval joue avec la chèvre. الحصان يلعب مع الماعز. La vache a des taches. البقرة فيها بقع. Achille a une grosse moustache de chocolat. Achille, c'est un nom propre, a une grosse moustache. إذن لديه نقول moustache grosse أي كبيرة de chocolat أي أن على نقول الشلاغم على فمه بعد أكل الشوكولا. إذا هذا تعبير مجازي عفوا تعبير مجازي. Il achète un chou au marché. إذا يشتري الشو هو نوع من الخضار في السوق. Papa s'approche près du chat. أبي يقترب من القطة. Il s'échappe. تنفلت إنها تنفلت أو تهرب بمعنى أن القطة تهرب. Papa s'approche près du chat. Il s'échappe. Je chuchote pour ne pas faire de bruit.
إذا أتكلم بصوت خافت كي لا أقوم بالضجيج le bruit fait ضجيج il a bouché la cheminée ça veut dire أنه قام بتنظيف المدخنة il a bouché le parachute s'approche des arbres mais dans l'alobot s'approche تقترب mina le verbe s'approcher c'est un verbe pronominal mina al-ashjar des arbres Il a coupé le chêne pour faire des bûches. Il a coupé le chêne ou chajarat al-balout pour faire des bûches. Il a coupé les bûches. Il a coupé le chêne à chaque les bûches. Il a coupé le chêne. On passe maintenant aux activités. Il a les activités d'application. On tourne quand tu entends le son. Ch, ange, bougie, chaise. Alors, et si on a entendu le son ch, on doit entourer la chaise. L'eau, flèche, fromage. Alors pour fromage, on n'entend pas le son ch, mais on entend le son j. إذن أغلبية الكلمات هنا استعملوا فيها الكلمة ج. فقط الاختلاط أو الوقوع في فخ الخلط بين ش و ج مغلان Dans la daina ou bien la hache, on peut dire aussi la hache, on a deux mots. On entoure On dit la hache aussi, on entoure le mot hache, journal, la mouche, on a le son mouche, chimpanzé, aussi on a aussi le son ch. Et dans chimpanzé ou un homme à noir, al-qalada, coche la syllabe. Où tu entends ch, on a bouchon. Et dans la syllabe نقصد بها الحرف زائد الحركة. Comme et dans هنا لدينا louche, on a deux syllabes. Lou et ch. Douche, on a deux syllabes. Douche. Mouche, mouche. Et dans هذا في تقطيع الكلمة. إلى سيلاب نقصد به الحرف مع الحركة يعطي صوت لو فنسميه سيلاب مثل la première image et dans la sourate al-oula il y a bouchon on a deux syllabes bouchon on coche la case où il y a le son la syllabe où tu entends ch et dans La première syllabe c'est bou, la deuxième syllabe c'est chant. Alors on va cocher la deuxième case. Bou, chant. Chant. Parachute. Alors si on décompose le mot parachute en syllabe, et d'accord, on a bitrfim al-kalima parachute il a aswat, faladeina pa-ra-chute. Et dan. La syllabe où on entend le son ch, c'est
la troisième syllabe, chu. Pa, ra, chu. Alors, on coche la troisième case. Chocolat. On a trois syllabes. Chocolat. Alors, on barre ou bien on coche la première case. Chaud. Artichaut. Artichaut. On a trois syllabes. Alors, la dernière syllabe où on entend le son ch. Artichaut. Chaud. Haute. Haute. Ruche. Haute ruche. Alors, anama, l'autruche. Alors, on entoure la dernière case parce qu'on entend le son ch dans la dernière syllabe. Maintenant, on passe au. Atamana antakuno katfahim tumtalik tqsim al-kalima ila syllabe. Wa anna syllabe wal harf zaid al-haraka. Mets les lettres en ordre et écris les mots. Alors, on a des images avec des lettres. Au-dessous de chaque image, on a des lettres. Tahta kull sura ladayna huruf wa sanqum bi tarkib hadi al huruf li nusammi aw nu'abbir 'an al sura allati ladayna. On a sh, t, a, sha. Idan sanabda bi sh thumma a. يصعب علي الكتابة ولكن سأحاول. قلنا شا. La deuxième image représente la niche. N-I-C-E. Niche. N-I-C-E. La troisième image représente ruche. Ruche, نقصد بها خلية النحل. Ruche. R U C E. Ruche. La quatrième image représente cheval. Ch E V A L cheval. إذن ما أدري على الكتابة السيئة لأن البرنامج لا يساعد على الكتابة. إذن cheval. Alors on a chat, H A T. On a niche, N I C E. On a ruche, R U C E. On a cheval, C E V A L. On passe au quatrième activité, ou bien à la quatrième activité. Dans chaque série, entoure ch puis barre l'intrus. Idem fait couler ici si la mina al-kalimat. On a 1, 2, 3, 4 séries de mots. On va entourer le son ch. Ou aidan en barre l'intrus nos chattebala al-kalima ad-dakhila. Classeur, chasseur, chanteur, marcheur, chaleur. Classeur ou al-mouratib, alors c'est l'intrus parce qu'on entend, on n'entend pas le son ch. On a chasseur ou sayad, alors on va entourer chat. Chanteur, chant. Marcheur, cheur. Chaleur, chat. Chanteur ou al-mourani, marcheur ou الذي يقوم بالمشي. Chaleur هي الحرارة. Deuxième série. On a chap, chèque, chac, claque, shop. Alors on barre claque. Une claque هي non, هي كصفعة. La claque ou ضربة. Chap, alors on a chat, on entoure chat. Chèque, ché. Chac, chat. Clac, on a barré, c'est le mot intrus. Il y a le kalimat d'akhila. On a shop. Dans la troisième série, on a touche, louche, douche,
boucle bouche. Et dans touche, il y a l'amsa, louche, qu'on a la melaka, al-kabira, allati na'khud minha ta'am, mina, al-tanjara al-kabira, douche ou al-hammam, boucle ou la boucle. Et dans hiya takoun naw' mina al-daqn, ou aydan naqsidu biha la boucle, hiya halaqa. On dit une boucle d'oreille, halaqat al-odon. Et dans la daïha kahiddat ma'ani, la bouche huwa al-fam. Alors le mot intrus, c'est boucle. C'est elle dans le kil. On a touche, sh, louche, douche, on entoure sh, et on a bouche. Dans la quatrième série, on a archer, racler, arracher, marcher, nicher. Alors le mot intrus c'est racler, clé. Alors arracher, archer pardon, chez, arracher yayenza, chez aidan, marcher yetamasha, et on a niché. On passe maintenant au cinquième à la cinquième activité. Pour chaque dessin, entoure le mot qui convient. On a louche, douche, mouche. Le mot qui convient, c'est le mot louche. On a ranchant, bouchon, cochon. Cochon ou al-khinzir, alors ici c'est bouchon. On a niche, chine, chien. On voit bien que c'est le chien. Complète avec chat, chi ou che. Une cheminée. Je vais fermer juste les flèches. Et dans un affaire de ça, ensemble. Cheminée. Che. Un chapeau. Chat. Un chapeau. Elle marche. Tata macha. Elle. Naqfid biha al-fatat. Elle marche. Des chips. Des chips. Alors, on va faire chi. Et dans des chips, chi. Et dans. C'était le cours d'aujourd'hui. Alors, on a une cheminée, un chapeau, elle marche, des chips. Et dans Canada, Dasona, Li Aliam, c'était le cours d'aujourd'hui. La lecture, le son, ch, Al-Qira'a, Saut, ch. J'espère que c'était utile pour vous et pour vos enfants. Atamana, Ankana, Okana, Mufidan, Lakom, et wa Li Atfa, Lekom. وأن يكون الدرس بسيط مسهل للفهم إذن أتمنى لكم حظ سعيد ونجاح في تعلم اللغة الفرنسية je vous souhaite une bonne continuation et un bon courage en apprenant la langue française أستودعكم الله في درس جديد على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية. Je vous souhaite une bonne fin de journée. أتمنى لكم نهاية يوم سعيد. إذن إلى اللقاء لدرس جديد على قناتكم.